L'Américaine, justement, a publié un communiqué jeudi mercredi. Il a déclaré que, en fait, ça a un peu de monde constaté avec Géo, qu'il a commencé à déployer en Haïti, ça a été l'élément qui pour préparer un voie de force multinationale, qui pour sécuriser, en fait, le pays, ou bien, gang monnaie pièce sous leadership Kenya. Et plusieurs soldats américains, et en fait, en plus de monter remarqué, ils n'avaient pas tous une voiture avec gros armes en main. Très certainement, les canards, les iso, nous devons venir tirer dans l'aéroport là. Ils font un petit paraître, non, monsieur. Vous comprenez? Ils font un petit paraître, c'est une basse bluff. Font un petit paraître. Ok? Donc, en tout cas, les même dit là, ils ont sécurisé site de construction. Très bien. Et d'ici des constructions qu'on a fait, nous qu'on a pu faire. Pas bien que c'est des constructions, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs. Donc, par contre, il faut que les gens soient protégés. Et soit faire site de construction, ou doit préparer force pour monter une bataille avec gang. Normalement, gang doit décider de venir attaquer. Ils ont venu avec sécurité, justement. Et gang, yo vraiment. Ah, mon balle qui pétait. Vous comprenez? Ah, mon balle qui pétait. Vous avez tout voyé monter, mon gars passer sous côté. Vous comprenez? Et donc, bien armé, yo là pour sécuriser ces deux constructions et évaluer terrain tout. Et donc, tenez bien, guys. Ça qui passe là, il fait qu'on est que dans un jour qui vient là, en fait, ça c'est commence par nous et plusieurs, mais sont massifs et déploiements qui préparent pour Port-au-Prince là. Il a parlé presque 100 fly qui schedule. Tant du côté de US military, mais aussi de département d'État. Et on dit que mobilisation, ça a montré l'urgence qui vient de la part des États-Unis et partenaires internationaux, justement pour faire ça, pour que vous accouchiez force multinationale, ça a parlé depuis longtemps. Alors là, et Kounye là, c'est pas vous monter, c'est pour tout bon vrai. Alors là, et nous pensons que en pile, en fait, majeure partie de la population, ils vraiment à bout. Et par contre, qui c'est pour y aller? Parce que pour me dire que dans le moment où on a parlé là, je dis à même, imagine un grand policier qui mourit, c'est kidnappé, il a parlé de kidnappé. Est-ce que vous comprenez? Et un jeune policier, monsieur m'entendait parler de ça, et il mourit. Et t'as semblé que les balles n'ont pas de capacité, et comme j'ai dit, il y a des armes solides, donc il a décidé d'éliminer lui. Donc ça fait un énième police qui tombait en bas de main gang. Donc très certainement, police là, les besoins, encadrement, les besoins, moyens. Et donc c'est ça lié. Entre-temps, il y a plusieurs mouvements là, gang yo là, qui a montré c'est bon monde. Est-ce que nous connaissons dans quoi des bouquets pendant ma parole avec vous là? L'amour sans joue, a simaillé l'argent. C'est nous, mon. Mon yo gang, quand est-ce que devant l'amour sans joue là? L'amour sans joue, cap by cop. Billets, plusieurs billets, 1000 gouttes. Dans quoi des bouquets? Vous pouvez comprendre pour qui ça que ça c'est quoi des bouquets? Et même j'en tire à comprendre dans Delmar, tant pis le monde qui sortit, qui dit que c'est le peuple à bintouye. Vous comprenez? Honnête, ça, c'est le peuple à bintouye. Vous voyez ça, me dit là? Ok? Vous mettez dehors. Et réalité, à gars, c'est que misère fait que grand ensemble de monde dans zone défavorisée qui forment une certaine alliance avec grand ça. Grand ensemble de monde là, qui connaît Jean-Baptiste là, vous allez. Qui connaissent, c'est la fin de règne. En fait, nous le disons à toute l'autre gang peut-être qui qu'on a attendu nous sur Chanel, là, parce qu'on a un qui toujours défendu, qui a dit, oh, pour qui c'est qu'on va faire ceci. Donc, nous voulons annoncer que c'est la fin. C'est l'autre temps pour aller parler là. Et je vais être sérieux. Vous comprenez? Je vais être sérieux. Ok? Bien que c'est l'insatisfaction qui gagne, c'est que du côté du conseil présidentiel, nous avons décidé là. Chaque nègre va faire 5 mois. Nous comptons bien là. Chaque nègre va faire 5 mois président. Dans 4 candidats qui te gagnent. Chaque nègre va faire 5 mois président. Donc, dans 2 ans, on a passé 4 présidents. Pas vrai? Chaque a fait 5 mois. Chaque a fait 5 mois, gars. J'entends des arrêts. Et t'en dis à quoi c'est dit. Chaque a fait 5 mois. Pas qu'on est tout devant. Parce que c'est vous président, oui. Nous ne pouvons pas si vous voulez parler de 4 premiers ministres. Chaque premier ministre a fait 5 mois. Bon, il va le faire. Ouh,
vous savez, vous avez des LED. Bon, on a pas LED comme ça. Vous avez des LED. En pile. Vous comprenez? Nèg yo LED en pile. Et c'est quand même un problème moi-même. Là, moi, en bonne, mon capran, c'est cap dit, et pour qui ça ne pas bailler haïtien et les autres problèmes. Mais qui ça, nous, j'en prouve que nous avons maturité pour nous faire bailler sérieux dans le pays. Ça, j'en prouve ça. En fait, yo la gen nou la pou nou dano compromis pou menm pou antre nou. Yo di ben OK, men nou, nou pa ka chwazi président kounya. Solution ki oblige a arrange nou, chaque nèg pa fè 5 mois. Et mwen son mont liye. Se solution sa nou jwenn. Et ça c'est toi que la chalade, vas-y. Pou nèg sa ou mete premier ministre ou konnen nou. Et là pou yal mete plusieurs ministres tout côté. Là pou yal mete directeur général. Délégué de la dépense, n'a rien à me là. Il faut que vous mettez délégué départemental dans plusieurs zones, est-ce que vous comprenez? Et si vous voulez, dépendamment comme c'est président, vous avez dit, vous allez mettre magistrat, vous avez pouvoir ça, by the way. Et tout est mandat magistrat fini. Par contre, vous comprenez? Donc, vous allez faire des choses pour partager. En tout cas, nous allons faire aussi pour vous-même. Vous allez être sérieux, vous allez être sérieux. Vous allez dire que. Et il y a plusieurs parlementaires et congressman Presley de Massachusetts, nous avons un congressman Yvette Clark dans New York, chez là bien entendu, chez la chef-fils, Florida, unique député que nous avons qui d'origine haïtienne, qui n'a pas le mal, avec Cory Bush. Et donc tout met ensemble, nous avons là-dedans tout de. Yo gen la dan des advocates. Et une conférence que yo bay jeudi mercredi a, en presse conférence. Et yo mande d'abord pour extend et redesigner TPS pour Haïti. OK? Donc yo mande pour yo tenez bien extend et redesigner. Nous même pas ici là nous clair sur ça, nous dit extension là c'est garanti redésigner, nous pas qu'à bord garanti, mais nous croire grand pile chance et grand pile parlementaire. Et pas oublier que dit tout le monde rendez-vous assez pour mois de juin, mais on va dans le bagage tout halting all deportation to ready. Ça va fait, OK, ça va fait, il va jamais fait, même dans il va fait. C'est ça où les pragmatiques par rapport avec contexte politique la journée aujourd'hui, son mission impossible. OK, c'est la mission impossible vraiment nous pragmatique. Elle leur dit halt, ça on le dit, faut préciser. Elle leur dit halt toute déportation, ça on le dit. Elle leur précise. Indirectement, mais ça on m'a dit. Depuis ce moment qui traverse les frontières ou venir, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas déporter. Ça va qu'à faire dans ce moment-là. Et Dieu, c'est pas qu'à faire. OK? Et ils m'ont demandé pour une bataille qui vous fait contre trafic d'armes. Et puis pour bailler des aides urgentes humanitaires. Et il dit pour empêcher le transfert des Haïtiens vers Guantanamo, Cuba, pour passer une nouvelle assistance économique package qui peut créer job, reconstruire infrastructure dans le pays d'Haïti, faciliter l'établissement de représentation transitionnelle gouvernement et parc au niveau du pays d'Haïti. Donc là, en fait, Vandou bien, c'est le correspondant qui fait conférence, qui fait demande ça. Il dit que les États-Unis doivent dette envers Haïti. D'être pour aider le pays ça et justement mettre une structure démocratique. OK, je dis faut gagner toute action nécessaire pour sécuriser la démocratie dans le pays d'Haïti by aide humanitaire. Je parle d'un bail qui est important, tout expediting visa processing. Ça sent l'autre bail, expediting visa. On connaît bail ça, monde qui a souffert depuis longtemps. OK, et qui a tant d'interview qui va jamais capable passer. Et il a parlé de une sorte de compassion pour le pays d'Haïti. Et donc il a dit urgent pour le président Biden redésigner et extend TPS pour Haïti. OK? So, donc voilà. Bon, regardez, est-ce que vous avez une vidéo? Je vais vous donner une petite vidéo de presse conférence ça. Et pardon, enfin, bon montrer non. Un petit portion de conférence ça qui est à fait pardon guys, regardez moi, sorry guys, hold on guys.
que ça c'est Presley tête calée qui là dans une petite bannière là c'est Salvation Live. All right. C'est ça qui gagne. Good morning. OK. Congresswoman Ayanna Pressley here, proud to serve as co-chair. Oh, là on a tout congressman qui là, c'est dépassé des Presley. My esteemed colleagues, Representatives Clark and Sherfalis McCormick respectively. Very proud also to represent one of the largest Haitian diaspora communities in the country, the Massachusetts 7th Congressional District. Thank you to our advocates for their support, for their work to support our Haitian neighbors, to my sister in service, Congresswoman Bush and Wilson, as well as Congresswoman Lee. C'est toute parlementaire la cité qui est entrée dans l'image de confiance. Today we stand here to once again bring light to the devastation the people of Haiti are facing. Vous voulez pointer du doigt problème dans le pays d'Haïti. Violence qui gagne dans le pays. Désastres naturels. En Haïti. Il va y avoir un repos. Crise qui est dans le pays d'Haïti à son véritable crise. And we have a moral obligation. Une obligation morale. Pour adresser comme parlementaire pour résoudre. Despite what Republicans might think. Malgré tout ça, les républicains qui pensent. Haiti are exactly that. People, not pawns. Donc moi en Haïti, c'est mon yoye, c'est pas bête yoye, ok? Yo besoin, yo mérite sécurité, yo mérite dignité. Donc il faut gagner des actions fédérales pour Haïti, pour stabiliser pays d'Haïti. To my Haitian brothers and sisters on the island and throughout the diaspora and standing with us here today. Donc tout mon camp là. We have not forgotten you. Je dis pas oublier non. Stop fighting. Et vous participez à une bataille pour nous. Indeed, Black lives matter. Black lives matter. Haitian lives are Black lives, and Haitian lives matter. From the Haiti House Haiti Caucus to the Congressional Black Caucus, we are being exhaustive in our efforts, and we are making progress. Je dis à faire des progrès. We called for an ambassador to be appointed, and now the Senate has confirmed Ambassador Hankins. Je demande à l'ambassade, nous avons l'ambassade. Je demande au ministre d'aller. For additional humanitarian aid, and now $33 million has been released to USAID. But our work is unfinished. Il y a 33 millions d'aides humanitaires. To create a just, equitable future where Haiti and its people can not only survive, but thrive. That means immediately halting all deportations. Je demande de compléter toutes les déportations. And releasing current detainees. Là, c'est ça que vous avez. Extending and redesignating Haiti for donc voilà, nous allons passer tout, guys. Donc nous, on est là pour te demander pour justement extendre et redésigner. Donc là, on a parlé bien, comprendre bien, c'est un ensemble de congressmen et justement qui t'a fait presse conférence à accompagner de plusieurs salariés, des avocats, des organisations qui défendent les immigrants. Et donc, c'est vrai que le gouvernement, en fait, Biden, il a pour devoir pour lui extendre PSA, mais à chaque fois, il a toujours besoin de force, de pression, ça. Donc, nous croyons que nous voulons positif, nous voulons rêver. Nous croyons qu'il y a toutes conditions réunies pour redésigner Haïti. Et ça, nous croyons. Donc, nous toujours disons, ou même, qui tout passe sous frontière, à CBPO, qui tout vient dans Biden, il songe bien, dégagez vos bon passeport. Dégagez pour gagner une transaction qui fait sous non sous pays. Vous comprenez? Depuis on est dans TPSO et puis pour entrer dans TPSO. Donc nous-mêmes, nous là, il n'a pas l'informé au rendez-vous. Je dis à c'est 8 mai. Nous pensons que le rendez-vous, c'est exactement juin. Nous avons gagné pour nous porter tout détail. C'était un plaisir, guys.